Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que ça va bien. Salut Martin. Hey, salut Michael. Ça va bien? Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, toi. Yes, yes, yes. Donc ça fait un petit bout qu'on s'est vu en fait. Ça fait un petit bout qu'on a tenu une émission. En fait, je pense que la dernière, ça remonte à la fin mai. Donc avec les vacances, avec la charge de travail, Martin, qu'on a eu dans les derniers mois, les nombreux appels d'offres qu'on a dû répondre, c'était difficile en fait pour toi puis moi de se libérer puis créer du contenu intéressant pour l'épisode. Donc ce qui fait qu'on s'explique un petit peu le 3 mois où on était silencieux. Mais Exact, exact. C'est juste terrible, là. Avant, on avait le temps. On avait du temps dans l'avion, du temps dans l'autobus. On avait tout ça, mais là, c'est fini ce temps-là. C'est meeting un après l'autre. On est à la maison. Puis... Ouais, exact, exact. Donc, j'espère que vous avez passé une belle été parce qu'il a fait beau, hein, il a fait très chaud. Puis on avait tous grandement besoin. En fait, après avoir été confiné quelques mois, là, ça a été super ici de mon côté. En fait, l'été était très soccer. J'entraîne l'équipe de ma fille et à cause de la COVID, à cause, je dirais pas à cause de la COVID, mais à cause de la PCU. Il y avait un problème de manque d'entraîneurs, donc j'ai été appelé à donner un coup de main dans une autre équipe aussi à plusieurs reprises. Donc ça m'a tenu très occupé, c'était le fun. Et bien sûr, faites beaucoup de vélo de montagne. Je pense que ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je tripe vélo de montagne et on a été gâtés cet été avec la belle température qu'on a eue. Toi, Martin, ton côté. Ah ben c'est ça, ben moi évidemment, pas de soccer pour moi, mais vélo de montagne aussi, là, on s'est lancé là-dedans, là, toute la petite famille. Écoute, on a fait camping, pêche, piscine, bref, on a vraiment profité, on a eu un été superbe. Bon, excellent. Donc, juste pour vous informer, là, du côté Red Hat, en fait, côté Red Hat et IBM, parler un petit peu de la situation où on en est avec la COVID. De notre côté, on reste toujours en remote, on travaille à distance jusqu'au 31 décembre. Il y a des bureaux en Europe qui ont commencé à ouvrir tranquillement, là, mais en Amérique, avec ce qui se passe surtout aux États-Unis, là, 31 décembre, c'est être optimiste. Honnêtement, j'ai l'impression que ça va être repoussé. Des grosses chances. Il n'y a toujours pas d'événement physique de prévu avant juin 2021. Fait que les prochains événements de Red Hat vont continuer à être virtuels là, dans les prochains mois. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Donc, pour ceux et celles qui écoutent pour la première fois, sachez que vous pouvez trouver toutes nos archives sur YouTube. D'ailleurs, on a un petit robot qui devrait mettre le lien, mais je vois qu'il ne l'a pas mis encore. Fait que je vais le mettre dans le chat. Donc, si vous voulez aller voir les précédents épisodes, ils sont tous archivés sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la mailing list si vous voulez être notifié lorsqu'il y a des nouveaux épisodes à venir. Donc, j'avertis tout le temps 2, 3 jours à l'avance. Donc, il suffit juste de m'envoyer un courriel. Vous avez le courriel ici en haut. Donc, m'envoyez un courriel, vous voulez les abonner à la liste et je vais vous rajouter la liste. Donc, Martin, on commence en fait une nouvelle saison. Hein? Après 3 mois arrêtés, Tout à fait. c'est une nouvelle saison. On avait hâte de commencer. Il y a une nouveauté en fait qu'on a mis en place que vous ne voyez pas. Mais en fait, on a utilisé un autre système avant. Moi, Martin, on se parlait au travers Skype. On essaye. En fait, je regarde beaucoup de streamers sur Twitch et j'en ai vu qui utilisaient. On ne dira pas trop fort, là, parce que. Côté sécurité, quoi qu'ils ont corrigé leurs problèmes, mais j'ai vu des gens utiliser Zoom, ça avait l'air de bien se passer. Fait que c'est un test aujourd'hui. Bon, ça Zoom. fonctionne très bien, là, à part que ça prend les droits root à la machine pour l'installer, là, mais sinon, une fois installé, écoute, on va espérer que les risques, que les problèmes de sécurité ont été corrigés. Oui, exact. Puis, donc, en fait, c'est ça. On a cette nouveauté-là qui est en arrière que vous voyez pas. J'espère que ça va rouler mieux. Là, je vois qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas, Martin, de ton bord, si tu le vois, il y a une espèce de barre en bas. Je n'avais pas su qu'on ait fait les tests ce matin. Là. Barre grise. Bref, il va falloir que je creuse. Qu'est-ce qui se passe là à l'écran? Donc, il n'y avait pas ça dans nos tests ce matin. Bref, sinon, ben, en termes de sujet, écoutez, on va garder avec la même formule, Martin et moi, on va faire des épisodes aux 3. On va essayer de faire aux 3 semaines là, avec la charge de travail, on va voir comment ça va aller. On garde le même principe, on va vous présenter une couple de nouvelles, une couple de trouvailles, on va parler des dernières sorties de date et bien sûr, on essaie toujours de terminer ça avec une démo. Et aujourd'hui, la démo va être sur quoi?
On a d'autres sujets à venir. Il y a beaucoup de nouvelles versions qui s'en viennent. Donc, on va revisiter des choses qu'on a touchées dans le passé. Donc on a du pain sur la planche. On a en masse de matériel pour vous là, dans les prochaines semaines. On a plein de démos à faire, c'est sûr. Là, on regarde une liste, très grosse liste de choses qu'on veut vous présenter. Comme tu dis, tu veux qu'on revisite des technologies ou même des démos qu'on a faites. Exemple CNV, là, je me souviens qu'on en a parlé un peu, mais là, c'est quelque chose qui a maturé, on va en parler un petit peu plus tard. Mais on veut revoir ces éléments-là avec vous, là, puis assurer qu'on couvre l'ensemble des nouveautés. Good. Fait que prochaine section, c'est la première section, en fait, des épisodes, comme on fait généralement à chaque fois. On parle des prochains événements. Donc, prochains événements, là, je vois que dans cette fenêtre-là qu'on a conçue, Martin, on n'a pas mis les titres. Il va falloir que je corrige ça aussi. Des petits ajustements début de saison. prochains événements, en fait, il y en a plusieurs cette fois. Cette semaine, à vous mentionner, ça fait comme 3 mois qu'on ne s'est pas vu, donc il y a beaucoup de choses qui sont au menu cet automne. Je pense que vous allez aimer ça, vous allez adorer ça. Tout d'abord, premier événement qui s'en vient, là, qui est très prochainement, d'ici 2 semaines, 2, 3 semaines, c'est le Ansible Meetup du Québec maintenant. On combine Montréal et Québec ensemble. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi a l'air l'horaire. Qu'est-ce qu'on va présenter au Ansible Meetup? Donc, on a 4 conférenciers pour le prochain Ansible Meetup. On a mon collègue Emilien Mackey qui va venir présenter quelque chose qui est demandé, qui était très demandé, du moins dans les sondages qu'on a envoyés suite à la tenue des Ansible Meetup. Les gens voulaient entendre parler comment faire pour créer un module Ansible. Donc, Emilien, en 30 minutes, va vous montrer comment coder un module simple et vous montrer comment faire pour créer vos propres modules éventuellement. Par la suite, on a deux, on peut appeler collègues aussi maintenant, 2 collègues d'IBM, donc James Régis et Gaëtan Trélu qui vont venir faire des présentations. Donc James qui va venir parler de CI/CD avec AWX et Podman. James a travaillé un projet sur ça dernièrement. Là, quand on parle de AWX, si on l'applique, on peut l'appliquer bien sûr à Tower. Mais James a fait, c'est comme on est dans la communauté Ansible, on est allé avec, je pense que James a voulu aller avec Ansible, avec AWX tout simplement. Par la suite, notre collègue Gaëtan Trélu d'IBM va vous montrer comment construire un tableau de bord personnalisé AWX en utilisant une autre technologie qui s'appelle Smashing. Donc ça va être super intéressant, je suis convaincu. Et finalement, David Moreau-Simard qui maintient le groupe avec moi depuis quelques années. David a fait un changement en février, a quitté Red Hat pour aller travailler chez Ubisoft comme ingénieur OpenStack. David va venir présenter la dernière version d'Ara. David a présenté plusieurs fois Ara, mais va venir présenter les nouvelles fonctionnalités d'Ara et vous faire un retour en production puisque David utilise Ara chez Ubisoft. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ça va être du contenu. Oui, du bon contenu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin. Ah, c'est officiel. Officiel. Ouais. Comme chaque meetup que tu organises. Merci, merci. Donc, prochain événement, Martin, je te laisse aller. Oui, avec, le Ansible Fest. Ansible Fest, à ne pas manquer. Je pense qu'il y a n'importe qui fait un peu d'administration des systèmes, administration des réseaux, peu importe la sphère TI dans laquelle vous œuvrez. Ansible Fest, c'est clairement le point de rendez-vous. Bref, en tout cas, je pense que vous connaissez tous Ansible, qui est la plateforme d'automatisation, la plateforme que Red Hat propose, qui peut, bref, orchestrer vraiment n'importe quoi. Il faudrait l'équipement. Donc là, on va avoir des sessions sur comment qu'on orchestre les réseaux dans les nouveaux réseaux 5G. Évidemment, bon, IBM, hein? Automatisation pour IBM Power, les Palo Alto Firewall, comment je bâtis des opérateurs Kubernetes avec Ansible. Hein, parce que bâtir un opérateur Kubernetes, ça peut quand même être assez complexe. On part avec le langage Go, parce que nativement, c'est du Go. Mais là, maintenant, avec le Operator SDK, on est en mesure de bâtir l'opérateur avec un playbook Ansible. Donc là, on peut, ça va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices aux applications que vous déployez dans, exemple, OpenShift. Beaucoup de modules vont être présentés pour Azure et, le plus important, les sessions d'aide
les sessions de transformation des cultures d'entreprise. Hein? Parce que l'automatisation, c'est beau, là, la technique ou la technologie, c'est une chose, mais souvent, on se rend compte que plus la technologie qui est en place, on n'est pas capable d'en tirer 100% son bénéfice parce que notre culture d'entreprise, parce qu'on est, on est pris en silo, parce que, bon, mille et une raisons, fait qu'il y a des sessions pour vos managers qui peuvent être super intéressantes. Donc, on a des speakers, là, des gens qui vont venir présenter sur ce Ansible Fest-là, des gens d'Aruba, de Microsoft. Je sais pas si vos jeunes, ils jouent à Roblox. Ben là, j'ai vu ça tantôt dans le catalogue, fait qu'il y a même des gens de Roblox. Cool, ouais, c'est ça qu'ils vont venir présenter, comment ils administrent leur serveur. ServiceNow, Cisco, F5, bref, vous avez la chance de voir live ces gens-là vous présenter comment ils utilisent Ansible pour transformer leur business. Excellent. Merci, Martin. On a ce qui va suivre après les Ansible Meetup. En fait, les deux événements qu'on vient de parler, l'Ansible Meetup, Ansible Fest, c'est des événements qui sont gratuits. L'Ansible Fest, normalement, on doit payer pour aller à cet événement-là, mais comme ça va être virtuel, ça va être gratuit. Donc, pendant que tu parlais, Martin, j'ai montré la page du Ansible Fest. J'ai mis le lien dans le chat, donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Moi, c'est déjà fait, je suis inscrit, j'ai réservé mon calendrier ces deux journées-là. C'est sûr que je vais participer à une couple de sessions. Autre événement qui s'en vient cet automne, au mois d'octobre, on a les ROG. Enfin, encore une fois, comme l'Ansible Meetup, on va combiner ROG de Québec et Montréal ensemble. On est en train de monter l'agenda en ce moment, j'ai pas de date à donner. Ça va être dans la semaine, aux alentours du 26 octobre du moins. Autre aussi nouveauté, un nouveau meet-up en fait, qui va avoir lieu en novembre. La date n'est pas arrêtée. Je ne sais pas si Pierre nous regarde en ce moment. Pierre et Dan. Donc Pierre, mon collègue Pierre Blanc à Montréal a pris l'initiative de démarrer un nouveau meet-up sur CEF. Donc si vous aimez tout ce qui est stockage, en fait, Software Defined Stockage, non, storage, oui, je me calme ça un peu. Donc CEF. Donc, Pierre va focusser vraiment le meet-up, venir vous présenter des choses le fun avec CEF. Ça s'adresse en fait à tout le monde qui a de l'intérêt dans ce domaine-là. CEF est un de nos produits vraiment importants chez Red Hat. C'est la base de notre offre de stockage avec OpenShift, entre autres. Donc, je suis très hâte de voir ce que Pierre va dénicher comme conférencier avec CEF. Je suis certain que ça va être super intéressant. Donc, je peux mettre le lien dans le chat si vous voulez joindre le groupe. Pierre a démarré le groupe il y a quelques mois. Là, je vois qu'il s'appelle CEF Montréal, mais je devine qu'il n'y a pas de problème s'il y a des gens de la région de Québec qui veulent embarquer aussi là, dans le meet-up. Si on veut le franciser comme il faut, on va parler de stockage défini par logiciel. OK, merci Martin. Ça avait l'air à... Ouais, je cherchais comment le dire comme il faut. En français et anglais. Oui. Fait que c'est ça. Puis juste pour ajouter à ce que tu disais, CEF, pour ceux qui connaissent pas ça, souvent on est habitué à des SAN traditionnels, hein, des EMC, des IBM, peu importe l'unité de stockage, ou ce qu'on a besoin des appliances qui sont très coûteuses, qui sont propriétaires, qui, bon, bref, faut évoluer avec ça. Et la solution CEF nous permet vraiment de faire du stockage, mais tout en utilisant des serveurs qui sont standards. Du x86 standard, fait qu'on prend notre pool de serveurs, fait que nos compute puis notre stockage, bref, peuvent être exactement la même compagnie, ça simplifie l'opération puis la gestion de ça. Donc, évidemment, sauver des coûts. Mais écoute, tu me fais penser à quelque chose, Martin. Je pense que j'en avais parlé dans un précédent épisode, mais bref, je vais faire un rappel sur ça. Là, on a travaillé un client à Montréal qui a fait une grosse étude sur les technologies de stockage. Donc, autant les appliances que tout ce qui existe en Software Defined Storage. Et après plusieurs mois d'études, de tests, de validation, c'est vraiment CEF qui est sorti grand gagnant de ça. Et cette compagnie-là s'est donné corps et âme dans CEF, a embarqué même dans le projet CEF. Ils ont une offre aussi de stockage pour le client basé sur CEF maintenant. Donc,
Donc, c'est une belle technologie qu'on a. Je sais qu'on n'en fait pas beaucoup la publicité. Puis je pense que c'est pour cette raison-là que Pierre a démarré la Meetup, là, voulait faire connaître plus CIF, mais c'est vraiment un produit solide. Moi, je l'adore au travers OCS, là, c'est merveilleux, là, ça marche impeccablement. Ah, c'est une belle initiative, sérieusement. Oui, exact. Ouais. Fait Ouais, qu'on encourage, on encourage. Puis en ah, fait, tout à fait. Pierre, j'ai fait ta publicité l'épisode. Il va être content. On est avec toi. Excellent. On va peut-être continuer avec les workshops. Oui, absolument. Hein, parce que là, c'est bon, là, t'sais, on est à la maison, on ne rencontre pas de clients, comme tu disais tantôt, avant le 31, mais on veut être avec vous, on veut faire connaître les technologies et tout. Donc, on a toute une série de workshops qui viennent de démarrer, dans le fond, une grosse session, une saison de workshops qui s'étend là, du 23 septembre jusqu'à la fin octobre. Je vais vous donner principalement là, ceux qui vont être donnés en français. Donc, 23 septembre, OpenShift, Getting Start with Cloud Native. Qu'est-ce que c'est? On va regarder les principes de migration. Comment on prend une application monolithique, on l'amène dans une architecture moderne? C'est quoi les outils de développement qu'on a chez Red Hat? C'est quoi les outils de développement qui sont inclus dans OpenShift pour vous aider, comme CodeReady, qu'est-ce qui est Quarkus, etc. 24 septembre, OpenShift Administration. Ça, c'est vraiment hands-on. On s'adresse aux équipes d'opération. Comment, c'est quoi les fondements de Kubernetes? Comment que ça s'opère? Comment qu'on installe OpenShift? C'est quoi les différents types de nœuds dans OpenShift? Les infra, les masters, les ci, ça. Comment qu'on opère ça? 30 septembre, OpenShift Debugging, Monitoring and Continuous App Delivery. Donc, comment je diagnostique? C'est quoi mes instruments pour déployer, surveiller l'application en mode microservice? Hein? Ça peut paraître simple, là, mais quand j'ai un paquet de pods, puis là, j'ai des connexions qui se promènent d'un pod à l'autre, comment je surveille ça? Comment je travaille avec les pipelines pour m'assurer que je déploie de façon automatisée? 1er octobre, OpenShift Storage fondamental. Okay? On a parlé de CEF tantôt. Donc, l'offre qui est inclue dans OpenShift, donc le storage qui est inclus, OpenShift Container Storage. Comment on installe ça? Comment qu'on gère, comment qu'on l'utilise. C'est un workshop un peu plus avancé, OK? Puis, mais clairement, super intéressant d'un point de vue stockage, surtout si vous avez une petite expérience de Kubernetes, les volumes persistants, toutes les... Bon, ceux qui ont joué avec NFS vont se rendre compte que OCS apporte vraiment une très grande valeur. Et finalement, 7 octobre, Control Cloud Native App avec Service Mesh. Vous savez, OpenShift inclut Service Mesh. Il y a un opérateur pour l'installer. Super facile à utiliser. Donc, comment je visualise mon application? Comment que, ben, bref, comment j'intègre Service Mesh dans mon application existante? Donc, encore une fois, Lab Hands-On vous permet de jouer avec la technologie, de l'apprendre et tout ça avec des instructeurs et en français, ici au Québec, avec les gens que vous connaissez. Michael, Martin Sauvé, Pierre, moi, Dan. Donc, notre petite gang ici à Québec, au Québec. Excellent. Fait que pendant que tu parlais, Martin, j'ai affiché la cédule à l'écran. J'ai aussi mis dans le chat le lien pour vous inscrire. Tardez pas à vous inscrire. Les places sont limitées. Généralement, ça s'envole assez vite, ces workshops-là. Donc, c'est des workshops d'une durée d'une demi-journée. Là, on n'a pas mis les heures. J'ai pas les heures ici. Mais lorsque vous allez cliquer sur le lien pour vous inscrire, vous allez voir les heures. Je pense que c'est pas mal en après-midi, pas mal tous les workshops. Excellent. Fait que merci Martin pour la cédule. Fait que je vais faire disparaître la cédule de l'écran. Excellent. Fait qu'on passe à la prochaine section. Donc, c'était les prochains événements. Il y en a d'autres qui sont en discussion en ce moment. Là, je sais qu'on a eu une conversation hier pour les Red Hat Day aussi. Donc, je pense qu'il n'y a rien de confirmé, mais habituellement, on a un Red Hat Day à l'automne. On en a un au printemps. On n'en a pas fait au printemps à cause de la COVID. On va essayer de se reprendre cet automne ou début de l'hiver là, pour retenir Red Hat Day. Je sais que les Red Hat Day étaient très appréciés. En tout cas, les gens de Québec m'ont demandé si on allait en faire un cet automne. Donc, on est en train de regarder là, la possibilité d'en faire un. Bien sûr, malheureusement, ben malheureusement, ça va être virtuel. On ne pourra pas faire ça physique encore. Là, on n'est pas autorisé à faire des événements physiques chez Red Hat avant le 30 juin, là, comme je vous disais là, au début de l'épisode. Donc, prochaine section, c'est nouvelles et trouvailles.
Écoutez, quand j'ai monté, en fait, quand je monte les émissions, je monte ça presque au quotidien. Là. À chaque fois que je trouve quelque chose d'intéressant, je le mets dans un document. Et après ça, je me sers de ce document-là pour monter l'émission. Et je peux vous dire que des nouvelles et trouvailles en 3 mois, il y en a eu quantité astronomique. Donc, j'ai été obligé d'épurer tout ça, aller chercher ce qui est plus intéressant et plus actuel. On aurait pu faire pratiquement 2 épisodes juste avec les nouvelles et trouvailles. Donc, je vais commencer avec une petite nouvelle intéressante ici, tiens, pas trop reliée à Red Hat, mais reliée quand même au monde Linux. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Starlink. Là, je suis en train, Martin, je sais que tu ne vois pas mon écran pendant que je parle, là, mais je suis en train de montrer le site web de Starlink. Starlink est une des compagnies d'Elon Musk. Donc, Starlink a comme objectif, en fait, d'offrir de l'Internet à n'importe qui sur la planète. Pas juste de l'Internet, mais de l'Internet haute vitesse à faible latence. Et comment ils font ça? C'est au travers d'un réseau de satellites, en fait, à plus basse altitude que les satellites normaux, donc on peut voir à l'écran. Et pourquoi je vous parle de ça? Bien, en fait, à l'intérieur de ces satellites-là, on a l'équivalent un peu de Blade. Vous voyez l'image à l'écran, là, Martin, je sais que tu ne vois pas, là, mais. Donc, il y a un paquet de serveurs, de machines Linux à l'intérieur. Donc, c'est Linux. Je trouvais la nouvelle intéressante. Ils sont rendus à 32 000 serveurs Linux autour de la planète. Et à terme, ils veulent se retrouver à pas loin de 2 millions de machines Linux qui roulent dans ces satellites-là, ce réseau de satellites-là, qui va fournir l'Internet à pratiquement tout le monde sur la planète. Donc, projet super le fun. Pourquoi j'en parle là? Ben, ça touche Linux, ça nous touche. Hein? Si vous êtes là, si moi, Martin, on est là, c'est grâce aussi à Linux. Mais aussi, il y a une portion Red Hat qui va se retrouver un petit peu dans ce travail-là. C'est une distribution Linux custom, de ce que j'ai compris en lisant l'article sur le sujet. Mais il y a une portion Red Hat qui est la patch du kernel real-time, donc qui se retrouve à l'intérieur de ces serveurs Linux-là. Donc il y a un peu de Red Hat dans cette aventure-là. Mais c'est un projet, un immense projet, des tonnes de serveurs Linux, donc c'est bon pour la communauté Linux, c'est définitif. Tu veux utiliser quelque chose, Martin? Non, c'est bon, Non, je te c'est laisse bon, aller. ok. Je pensais que tu voulais rajouter quelque chose. OK, autre trouvaille. En fait, c'est un article, tiens, j'ai un article ici que je vais vous montrer à l'écran. Un article, si on regarde, oups, c'est en allemand. On a un petit peu, on va juste rafraîchir la page. Et grâce à la magie de Google, on peut facilement traduire la page en français. Oups, ça fait pas une traduction super professionnelle, mais au moins on est capable de lire. Bon, Ça serait bien plus drôle si tu le lisais en allemand. Là, j'ai pour faire du mal, je suis plus capable de l'avoir en français, là. Bref, vous l'essayerez. Je vais mettre le lien dans le chat ici. Donc, vous pouvez aller voir l'article. En fait, ce que ça dit, ça donne un petit peu l'état de la situation avec CentOS. Et là, j'ai de la misère à lire, là. Fait que je vais ouvrir une nouvelle table. Voir ce que ça dit. Oui, on va traduire en français. Puis là, je touche pas à rien. Bon, super. Là, ça marche. Donc, ce que ça dit, un peu, ça parle de l'état de CentOS, spécifiquement de CentOS 8. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que la communauté en découle un petit peu? Donc, on sait que ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la cédule de relâchement des versions de CentOS comparée à RHEL et comparée à Oracle Linux. Et on voit qu'il y a un décalage, et spécialement la version 8 a pris un temps fou, le 140 jours à voir le jour. Donc, ce que l'article dit, grosso modo, puis c'est pas une surprise, hein, mais si vous prévoyez rouler des serveurs en production, ben, allez, faites attention avec CentOS parce que ça prend du temps à avoir les patchs, puis généralement, quand on est en production, ben, s'il y a une vulnérabilité de sécurité qui sort, ben, faut l'appliquer rapidement. Alors, c'est ce que ça dit dans l'article, c'est que si vous prévoyez rouler ça à plus long terme sur des serveurs où la sécurité est importante. Puis aujourd'hui, Dieu sait, avec la COVID, il y a plus de monde qui ont fait de l'informatique, plus d'attaques qui s'est passé. Donc, de faire attention à ça, tout simplement. Et c'est ce que ça dit là, dans l'article, grosso modo. Autre sujet, toujours CentOS. Je vais juste aller chercher mon lien ici. En fait, il y a un article en parallèle qui est sorti cet été sur l'utilisation en fait de CentOS. Qu'est-ce que les gens font avec CentOS? Donc, je trouvais ça intéressant aussi. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui roulent CentOS, soit à la maison, même dans votre entreprise ou organisme. Donc, on voit que les gens font du développement professionnel, logiciel,
Il y en a qui roulent des services pour leur compagnie, gars 62%, roulent les services pour la maison 62% aussi. Donc, on voit un peu toutes sortes de choses avec CentOS. On voit même du desktop computer, donc des ordinateurs de bureau avec CentOS. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés à participer au développement. On voit en question 2 là, si les gens seraient intéressés à participer beaucoup en testing. Plusieurs personnes seraient intéressées à donner un coup de main en testing. Mais regardez question 3 sur la grosseur des installations. Donc, la majorité des gens qui installent CentOS, c'est de 1 à 5 systèmes. Ce n'est pas des gros environnements. Quoique, on a quelques personnes qui ont répondu plus de 1 000 systèmes. Sans doute des ordinateurs, pour des setups en grappe, sûrement. Et regardez la quantité d'updates que les gens font, à combien de fois ils updatent leur CentOS. Et voyez, ce qui ressort beaucoup, c'est une fois par semaine à 153, avec 36%. CentOS lag déjà au niveau des patchs. Puis si plus que les gens tardent à patcher, c'est encore pire. Donc, c'est faire attention. CentOS, dans notre cas, vous savez, Red Hat a repris le projet il y a une couple d'années. Le projet n'était pas organisé par Red Hat, mais le projet s'en allait dans un mur. Les gens qui s'occupaient de ça étaient épuisés, manquaient de sous aussi pour gérer ça. Fait qu'on a repris le projet. Et chez Red Hat, ce qu'on en a fait, c'est vraiment axé pour le développement. Avec CentOS Stream, que j'ai déjà parlé là, quelques semaines. Donc le focus de Red Hat, c'est de donner accès en fait, à un environnement pour développer, participer au projet open source principalement, puis développer sur ces projets open source-là. Ah, c'est ça, faut faire. Ce type de projet-là, comme CentOS, c'est excellent. On peut faire le développement, comme tu dis. Aller en production, à scale, avec un produit qui est purement open source, où il n'y a aucun support, où on n'a aucune garantie hein, des mises à jour qui vont être faites. Ça prend toute une équipe d'opération en arrière pour s'assurer de faire vivre cet environnement-là. T'sais, on n'a pas l'assurance d'appeler un support puis de se faire aider. Donc, il y a un risque associé à ça. Ça, c'est officiel, officiel. Absolument, Martin. Puis, ce que je voulais dire, c'est toi, j'ai eu quelques clients, en fait, dans mes nombreuses années chez Red Hat, là, j'ai plusieurs clients qui m'ont appelé dans le passé qui utilisaient CentOS, qui avaient des problèmes avec CentOS, qui voulaient qu'on les aide. Juste pour être encore clair, encore une fois, là, CentOS, oui, c'est un projet backé par CentOS, mais si vous êtes dans le trouble avec CentOS, il faut s'en remettre à la communauté. Red Hat ne fera pas rien de spécial, même notre équipe de service. Je sais que Luigi nous regarde souvent, notre équipe de service. On ne fait pas de service sur CentOS. Si vous voulez être aidé par Red Hat, c'est sur Red Hat Enterprise Linux. C'est la raison d'être de Red Hat Enterprise Linux, de vous offrir du soutien, du service, un niveau entreprise. Donc, ce n'est pas avec CentOS qu'on fait ça. Tout à fait. Excellent. Prochaine nouvelle, Martin, je pense pour toi, celle-là. Fedora 33. Fedora 33. OK, vous savez un peu le modèle de développement chez Red Hat, hein? Fedora, communauté où ce que toute l'innovation se passe, toutes les nouvelles idées, les nouveaux features, tout ce travail dans cette communauté-là. Ensuite, Red Hat, il contribue dans les éléments qui sont plus stables, les éléments qui sont prêts à être mis en entreprise, qui est RHEL. Puis ensuite, on va aller amener ça dans CentOS. Donc, Fedora est vraiment le cœur de l'innovation. Et une surprise, Fedora 33, le file system qui va être utilisé par défaut, ça va être le ButterFS qui va remplacer le fameux XFS ou XT4 qui était par défaut finalement dans Fedora. Puis bon, je pense que Michael, tu vas mettre sûrement le lien dans le Oui, chat pour que les c'est gens aillent fait. voir là, les détails, mais en C'est gros, fait, mais là, en même temps, j'ai mis c'est... l'article à l'écran. On voit l'article pendant que tu parles, Martin. Ah, ben parfait, excellent. Donc, c'est ça, c'est un système basé sur copy and write. Donc, c'est un checksum qui va être vérifié à chaque lecture. Ben, en fait, c'est à chaque lecture, on va faire le checksum, mais à chaque lecture, on va vérifier que la donnée qu'on retourne répond bien au checksum qui a été calculé. Ça a été fondé en 2010. Ça a été développé conjointement par Oracle, Red Hat, Fujitsu, Intel, SUSE. SUSE, ils ont ça en place et ils offrent cette technologie-là à leur entreprise depuis plusieurs années. Puis là, si on voit ça apparaître comme système par défaut dans Fedora,
on peut facilement penser que c'est une technologie qui va suivre dans les prochaines versions du côté RHEL. Encore une fois, j'annonce rien, mais normalement, c'est ce qui se passe quand quelque chose arrive dans Fedora. Je pense que Red Hat doit regarder ça très, très sérieusement. Ça apporte des engins de compression qui sont intégrés, qui sont très granulaires. Je pense qu'on peut aller jusqu'au niveau du fichier pour choisir qu'est-ce qui est compressé ou non. Et optimisation au niveau des SSD, parce qu'aujourd'hui, on s'entend, là, tous les disques, du spinning disk, c'est de plus en plus rare. Okay. Donc, belle technologie à venir, je pense que c'est à suivre. Oui, excellent, Martin. En fait, c'est drôle l'image. Hein. Tu as dit BotterFS. On dit Bora, mais c'est BTRFS. Non, mais l'image en arrière, c'est une tranche de beurre. C'est ça. Si j'avais eu le temps de préparer un setup, c'est sûr que j'avais une livre de beurre en arrière. Là, j'ai manqué de temps. Là, j'étais allé avec le truc. Écoutez, j'en ai déjà parlé, Martin, avant qu'on arrive ensemble. J'ai parlé de BotterFS dans le passé parce qu'on l'offrait avec Red Hat 8 en tech preview. Puis finalement, on a complètement retiré BotterFS parce qu'on avait nos ingénieurs avaient de la misère à stabiliser le produit. Puis comme tu as dit, Cios a décidé à une certaine époque de dire « Nous, on s'en va à BotterFS ». Par contre, il fallait lire entre les lignes un petit peu. Ce n'était pas tous les scénarios qui étaient supportés. C'était très spécifique de la façon dont ils supportaient BotterFS. Ouais. Et là, ce qui se passe, pourquoi on le voit réintégrer dans Fedora? En fait, dans Fedora, de ce que j'ai pu lire de mon côté, Martin, là, c'est vraiment la version desktop. Ce n'est pas la version serveur qui est affectée par ça, c'est vraiment la version desktop. C'est d'offrir un système de fichiers avec des outils plus faciles pour redimensionner les partitions au besoin. Entre autres, la fameuse partition slash ou slash home lorsqu'on marque l'espace. Avec BotterFS, on aurait simplifié ça. Mais pourquoi ça revient dans Fedora? Ben, c'est qu'il y a de l'intérêt. Je veux dire, c'est basé sur ZFS, hein, en fait. C'est basé sur les travaux de ZFS. Puis il y a de l'intérêt. Beaucoup, c'est un système de fichiers assez solide du côté Solaris et qui a tenté une percée au nom de BotterFS dans Linux, mais qui a manqué peut-être d'amour ou d'énergie là, pour arriver au même niveau. Mais on le relance parce qu'il y a de l'intérêt. Puis Fedora, comme Martin, tu l'as mentionné, c'est notre laboratoire, hein, Fedora. Fait qu'on on le passe là avant de le passer dans RHEL. On avait essayé dans RHEL, on manquait d'assurance, on retourne avec Fedora puis on va le faire évoluer dans Fedora. Fait que peut-être, oui, éventuellement, il va revenir dans RHEL. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur que ça revient dans RHEL. Mais on fait des tests avec Fedora, là, la prochaine release Fedora 33. Super. Qu'est-ce qu'on a prochain? C'est moi, je pense. Hein? Oui. Donc, Top 500, vous connaissez le Top 500? Donc, il y a un nouveau Top 500 qui est sorti cet été. Je vous montre ça à l'écran. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil. Je vais le mettre dans le chat aussi, si vous avez jeté un œil au Top 500. Donc, c'est un ordinateur de Fujitsu qui se retrouve numéro 1. Et ce qui est vraiment très cool, encore plus cool que ça, c'est que cet ordinateur-là roule sur Red Hat Enterprise Linux 8. Oui. C'est pour ça qu'il est numéro 1. Oui, c'est pour ça qu'il est numéro 1. Ah ouais, probablement. Pas pu l'aider autrement. Je pensais que j'avais un marqueur. Non, il n'y a pas de marqueur sur ça. Donc, écoutez, c'est immense, là. Regardez la puissance de ce serveur-là. 415 pétaflops, 28 mégawatts. C'est un monstre. Et ce qui est intéressant, ce que vous allez apprendre dans l'article, là, je le mets ici au centre, là. Regardez, là, c'est à quoi il va servir, à quoi sert cet ordinateur-là. C'est vraiment pour simuler, étudier le comportement de la COVID-19 lorsque c'est le temps de se transmettre de personne en personne en utilisant les petites gouttes quand on a chum ou quand on tousse. Donc, c'est à ça que sert ce méga ordinateur-là. Et ça roule sur RHEL 8. En fait, j'ai été accroché un petit peu par cette nouvelle-là parce que j'ai vu des ingénieurs en parler sur une de nos mailing lists internes. Et qui disait que ça avait été un travail, super travail de toute l'équipe, un travail en collaboration avec Fujitsu pour aller chercher le niveau de performance que l'ordinateur en offre. Donc c'est le fun. Donc le plus gros ordinateur sur la planète aujourd'hui roule avec Red Hat Enterprise Linux 8. Donc c'est une fierté. C'est pas la première fois que ça arrive. Dans les top 500, on en a vu avec RHEL 7, RHEL 6, avec d'autres distributions Linux. Mais cette fois-ci, là, le dernier qui est sorti en date, je crois que c'est en date du mois de juillet, ça roule sur RHEL 8. Donc c'est une petite fierté pour nous, c'est certain. En lien avec ça, en fait, il y a quelqu'un qui a étudié le top 500, qui a sorti des petites métriques. Je peux vous mettre ça ici à l'écran. Juste vous donner un petit peu qu'est-ce qui est utilisé comme système d'exploitation. En fait, dans les top
dans le top 500. On a 114 Saint-Ouest, donc on parlait de Saint-Ouest tantôt. Donc Saint-Ouest se retrouve plusieurs fois dans le top 500. On a Cray Linux Environnement. Je ne me souviens pas c'est quoi Cray Linux. C'est une variante d'un autre système d'exploitation fait pour les méga ordinateurs. Il y avait un autre nom avant, là, ça allait changer. Et regardez, il y a quand même 16 Red Hat Enterprise Linux, 9 Ubuntu, 2 SLES. Donc c'est le fun de voir qu'on a quand même, non seulement on est numéro 1, mais on a une bonne empreinte dans le top 500 au niveau du système d'exploitation, avec si on combine CentOS et Red Hat Enterprise Linux, bien sûr, ensemble. Prochaine nouvelle, et on achève dans les nouvelles, il en reste deux quand même intéressantes. Vous parlez un petit peu du la Forrester Wave. Donc, Forrester publie une espèce de classement des meilleures technologies dans différents domaines. En fait, ils ont sorti cet été un classement que je vous mets à l'écran aussi encore une fois pour les outils d'automatisation et Red Hat, en fait, se retrouve bon premier dans cette catégorie-là. Donc, dans Infrastructure Automation Platform, Ansible, bon premier. C'est sûr que Martin et moi, dans notre rôle, on a positionné Ansible et on positionne Ansible régulièrement. Dernièrement, pour ne pas nommer personne, Martin, on a un petit défi à positionner Ansible et on reste surpris, moi et Martin, puisqu'on travaille avec des gens quand même qui connaissent le domaine puis qui se remettent en question, est-ce qu'on devrait vraiment mettre Ansible ou pas. Et lorsqu'on a un géant comme Forrester qui donne ce genre de nouvelles-là, ben, ça donne du poids, enfin, on ne sait pas, on a dit, regardez, là, c'est vraiment la meilleure technologie d'automatisation qui existe sur le marché. Donc c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle. En réalité, là, c'est simple la raison pour que ça devient la première technologie. C'est vraiment la modularité du système. Je veux dire, je pense qu'il n'y a aucun système d'automatisation qui a autant de modules, qui est aussi flexible, qui peut automatiser autant de types d'équipements différents. Puis là, quand je dis équipement, j'inclus là-dedans, que ce soit un cloud public, un cloud privé, un routeur, un serveur, un home automation device, si on veut, n'importe quoi qui a un API. Bref, moi, j'en connais pas de plateforme qui est aussi modulaire puis aussi simple à utiliser. Là. On s'entend. Là. On fait pas de JavaScript ou de Java ou de peu importe. Là. On écrit un YAML. On l'écrit quasiment en français pour notre automatisation. Oui. Non, mais c'est ça. C'est la réalité. Là. J'invente rien. Là. Ouais, effectivement. C'est ça. Bref, content de voir ça, mais je suis pas surpris. Excellent. Et dernière nouvelle, tiens, je ne voulais pas passer à côté de ça. On a parlé de Fedora tout à l'heure. Je vous mets ça à l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle cet été. Lenovo se relance dans la fabrication et distribution de portables. Rien de nouveau là-dedans. Mais ce qui est nouveau, c'est que maintenant, ils offrent Linux comme système d'exploitation. C'est pas la première fois qu'on voit ça. On en a vu dans le passé qui ont essayé, qui ont fait un petit bout avec ça puis ont arrêté. Dans le cas ici, c'est Lenovo qui est encore très proche d'IBM et IBM proche de Red Hat. Donc, il y a Fedora, mais je sais qu'il y a d'autres distributions Linux là, qui vont être offertes, qui sont offertes, mais juste vous montrer cette image, là, quelqu'un qui a reçu son premier Lenovo, son ThinkPad X1 Carbon, avec Linux Fedora préinstallé à l'intérieur. Et ce qui est le fun, faire attention, il y a beaucoup de manufacturiers, lorsqu'ils installaient Linux, ils packageaient ça avec un paquet d'outils propre au manufacturier. Vous n'aurez pas ça avec Lenovo. C'est vraiment, ce qu'on m'a dit, là, c'est vraiment Fedora Vanille qui est là. Lenovo a préféré travailler directement avec la communauté pour rendre compatible et rendre roulable à la perfection, en fait, Lenovo, directement dans la communauté. Donc, quand il va y avoir des nouvelles versions de Fedora qui vont sortir, ben, on va pouvoir faire les mises à jour. On ne passera pas par les services de Lenovo pour faire ça. En tout cas, c'est ma compréhension. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le monde du desktop Linux. Un retour et espérons que ça va durer cette fois-ci. Ouais. J'appelle ça une bonne nouvelle aussi pour les usagers. Là. Ceux qui achètent, là, ils ont le choix. Ça leur donne le choix de rouler le système d'exploitation. On devrait toujours avoir le choix. Ouais, mais à la limite, on devrait être en mesure de pouvoir acheter un laptop ou une machine sans système d'opération, système d'exploitation. Yes. Mon opinion.
Ton opinion, Martin, c'est bien. Ben, Non, mais effectivement, c'est en fait, il y a une taxe. Hein, quand tu achètes un laptop avec un système d'exploitation, tu as la taxe. Tu as la taxe du système d'exploitation. On sait que Linux aujourd'hui, c'est distribué gratuitement. Alors, si on peut éviter ça, ben, tant mieux. Fait que, effectivement, avec ça, je ne sais pas si les laptops sont moins chers, je n'ai pas comparé, mais il faudrait comparer. Il y a sûrement une différence. Peut-être pas si énorme que ça. Là. Je devine que Microsoft ne cherche pas un montant exorbitant au manufacturier. Mais bref, il y en a une pareille qui est là. OK, prochaine section, les dernières avant la démonstration, puis je vais leur avancer. Je vous avertis tout de suite, on va défoncer. On va défoncer l'heure. C'était prévu, là, comme ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. J'avais beau essayer d'épurer tout ce que j'avais récolté, mais je n'arrivais pas à en enlever. Il y en avait trop des intéressantes. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va défoncer le 13h et quart. J'ai pas de problème avec ça. C'est plus pour vous. Ceux qui doivent quitter, ben, tout est enregistré. Vous pouvez réécouter sur Twitch. L'épisode reste là pour 2 semaines sur Twitch. Sinon, quelque part cet après-midi ou en fin de semaine, je vais uploader l'épisode sur YouTube et vous pourrez continuer. Donc, on y va avec les dernières sorties, Martin. Plusieurs sorties. Écoutez, j'ai dû épurer, là, parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vu en juin, il y en a eu plusieurs. J'en ai enlevé. Puis il y en a que j'ai laissé. On va peut-être passer rapidement, là, mais vu que le temps file. Donc, première, tôt en juin, mais quand même, on a parlé de Ceph tantôt. Je devine que Pierre, à son meet-up, va en glisser un mot. On a Ceph qui a sorti une nouvelle version, la version 4.1, le 7 juin, qui ajoute le support de Vault à l'intérieur pour aller chercher les mots de passe encryptés à l'extérieur. Possibilité de comment on dit ça en français, Martin? Cohabiter Grafana à l'intérieur des OSD aussi en même temps, ou à côté des OSD. T'as bien Donc, fait ça. ouais, c'est bien, j'ai bien dit ça. Hein. Sinon, le reste, habilité de cloner un subvolume. Donc, on parle vraiment de termes Ceph. Là. Ceux qui ne connaissent pas Ceph, on va dire c'est quoi un subvolume. Mais bref, on peut faire des snapshots maintenant, des subvolumes avec CephFS. Donc, je sais que c'était quelque chose qui accrochait, qui manquait avec Ceph. Là. Maintenant, on a cette capacité-là. On a Podman qui est sorti le 2, pas 2, Podman 2, pardon, le 30 juin. Je vous dirais la grosse nouveauté. Je vous mets un article. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de faire le tour. Mais je vous mets l'article qui est super intéressant d'un des product managers de notre technologie de container chez nous, Scott McCarthy, qui est déjà venu d'ailleurs présenter à Montréal et Québec à l'époque, Martin, où on avait des rogues physiques. Maintenant, c'est virtuel. Donc, il a fait un super article. La grosse nouveauté de Podman 2, c'est qu'on a refait l'API, en REST API. Et on démontre, en fait, Scott démontre dans son article comment utiliser la REST API et faciliter la migration du monde Docker vers le monde Podman. Vous savez que Podman, la plupart des commandes Docker marchent avec Podman. Donc, si vous tapez Docker dans Fedora, en réalité, c'est Podman qui part. Je vais vous le montrer tantôt, justement, dans ma démonstration. Et finalement, Builda, qui a sorti une nouvelle release, Builda qui permet de construire ses containers le 6 juillet. Je pense que ça pourrait être un beau sujet de démo, ça pourrait être une émission, de regarder de façon approfondie ces outils-là et de comprendre pourquoi plus Docker, pourquoi qu'on veut plus Docker, pourquoi qu'on a mis ça de côté puis qu'on est allé vers autre chose. Bref, Effectivement, je pense Martin. que J'en ça prends pourrait une être un bonne bon note. sujet. Ouais, Je prends une bonne note de ça parce on va qu'effectivement, vous montrer, quand même, on va vous faire peur. On va vous Oui. faire peur. Je ne suis pas sûr que vous allez vouloir installer Docker encore. Non, effectivement, je sais qu'il y a plusieurs utilisateurs de Docker, puis, tu sais, on ne crache pas sur Docker, puis quand j'ai présenté les 2 épisodes, donc ça doit faire presque un an et demi, là, ceux qui me suivent depuis le début, j'ai présenté 2 épisodes sur RHEL 8, on a passé du temps ensemble sur Podman, Builda, Scopeo, j'ai fait des petites démos quand même assez rapides, mais Martin, on l'a mentionné tantôt au début d'épisode, on commence une nouvelle saison d'épisodes, et ça pourrait être des sujets à revenir, à revisiter, parce que ces outils-là ont évolué aussi là, depuis la release, c'est des super outils. Moi, j'adore Podman. Vraiment, je trouve que c'est bien, c'est léger. On n'a pas la pesanteur, entre autres, que Docker a. Sinon, 16 juillet, Martin, ça, c'est une nouvelle pour toi. Ça, je vais te laisser aller avec ça. 16 juillet, qu'est-ce qui est arrivé 16 juillet? OpenShift 4.5 qui a été sorti, qui est tombé de JA. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir là, ici, Martin, j'ai mis un paquet de notes dans le document, là, mais 16 juillet, c'est sorti, mais en réalité, ça a été annoncé dans la semaine du 17 août au KubeConf. Fait qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu passer au mois de juillet parce qu'on n'a pas fait trop de bruit, mais c'était disponible. Ceux qui étaient abonnés au canot ont pu voir qu'il y avait un update vers OpenShift 4.5 disponible.
à fait, tout à fait. Puis moi, ça me fascine à chaque fois le nombre de features, le nombre de fonctionnalités qui sont ajoutées à chaque fois. C'est phénoménal. Là, on a mis serverless, hein, tu sais, les fonctions as a service, serverless, les pipelines Tecton qui tombent en technologie preview, serverless en JIE, excusez. Fait que là, lui, pleinement supporté. Helm 3, pleinement supporté. CodeReady, on a fait des updates. CodeReady Workspace 2.2. La solution de logging qui est intégrée dans OpenShift passe à Elasticsearch 6. Les modes d'installation, on a bonifié où est-ce qu'on peut installer OpenShift. Donc maintenant, si vous avez une infrastructure VMware, bon, ben, je suis un peu désolé pour vous, mais en tout cas, mettons que vous en avez une. Bref, on peut installer maintenant OpenShift en mode IPI, ça veut dire entièrement automatisé sur VMware. Bon, on sait que beaucoup de nos clients utilisent cette plateforme-là, qui est très bonne. Hein, je faisais une petite blague tantôt. En OpenShift sur Bare Metal, donc, si on veut installer OpenShift directement sur les serveurs pour bénéficier de ce que je vais parler après, qui est la virtualisation, maintenant on peut faire des nodes compacts. Donc, c'est pleinement supporté qu'on puisse installer les masters, les workers, tout sur trois nœuds. Donc, on sauve en termes, on augmente la densité, donc on sauve des coûts en termes de maintenance et de serveur. Les routeurs HTTP2, gRPC, bref, c'est vraiment énorme comme ajout. Du côté de solutions stockage, OCS, donc la OpenShift Storage, Container Storage, on supporte maintenant les disques qui sont présentés par VMware, dans le fond, les VMware Local Drive qu'on appelle. Donc, OCS est capable d'utiliser ces disques-là pour vous présenter une couche Ceph qui ensuite peut être utilisée pour créer vos volumes persistants et ce, en mode read-write-many. Hein, c'est le problème que tout le monde a avec les fameux volumes persistants. On supporte évidemment OCS, Bare Metal, c'est JIE. Et une belle addition, OK? Elle passe sous silence, je suis quand même assez surpris, c'est en technologie preview, mais AWS, les instances I3, OK, d'AWS, qui sont des instances optimisées stockage. Maintenant, on regarde ça, donc technologie preview avec OpenShift. J'espère que ça va aller JIE très rapidement, parce que le bénéfice de ça, vous savez, quand vous partez une instance dans AWS, vous voulez ajouter un volume de stockage, vous utilisez du EBS, OK? Du EBS qui est, bref, qui donne bon, performance correcte, mais en même temps, qui est facturé à l'utilisation, donc facturé au drive qu'on ajoute. L'instance I3, elle fournit un disque NVMe, OK? Haute performance, et il est intégré avec le coût de l'instance. Fait qu'au final, ça revient beaucoup moins cher en termes d'instance chez AWS. Meilleure performance, puis quand on met OCS sur le dessus, ça nous donne le plein bénéfice, là, Ceph, etc. Donc, et ça, c'est 4.4 qui est sorti. Là, on a 4.5 du côté OCS qui s'en vient dans le roadmap. Encore une fois, ne me prenez pas au mot, mais ce qu'on voit dans le roadmap, c'est on veut supporter l'expansion des volumes. Donc, ça, c'est complètement une nouvelle fonctionnalité. Donc, je fais un volume persistant dans OpenShift, je veux pouvoir l'étendre. Cloner ce volume-là pour en faire un backup, le snapshot. Donc, des belles fonctionnalités. Et finalement, toujours autour d'OpenShift, la virtualisation. Donc, CNV, qui est basé sur le projet KubeVirt, et maintenant JIE, pleinement supporté. Donc, on installe OpenShift sur Bare Metal et ça nous donne une plateforme unifiée, unique pour rouler et container et machine virtuelle. En fait, ça fait référence à la dernière épisode qu'on a fait ensemble, Martin. On a fait une démonstration de CNV. Tout à fait, tout à fait. Mais là, avec OpenShift 4.5, là, aujourd'hui, quand je l'ai réessayé, on voit dans la console développeur, là, on voit vraiment nos VM. Dans la même console, là, je vois mes VM, mes containers, je peux faire des liens entre eux, je peux avoir vraiment un visuel de qu'est-ce qui est container, qu'est-ce qui est VM, tout ça intégré. Il n'y a pas de plateforme qui donne ça aujourd'hui. Puis la compétition est partie sur une tangente complètement différente qui s'en va, selon moi, pas au bon endroit. Donc, aujourd'hui, on prend la machine virtuelle et on l'orchestre, on la gère comme si c'était un container. En fait, en tant que container. C'est définitivement, Martin, là, c'est un endroit où nos ingénieurs vont mettre énormément d'efforts. En tout cas, ils ont mis déjà beaucoup d'efforts, mais vraiment, il y a beaucoup d'efforts qui vont se faire dans les prochains mois, prochaines années sur CNG.
J'ai été surpris de voir, parce que ça fait pas si longtemps que c'est une technologie qui est en bêta, là, vraiment, pas si longtemps, des mois, et elle est GA déjà, ça veut dire qu'il y a de l'effort considérable qui a été mis de ce Oh oui, côté-là. absolument. Okay. Puis, juste un petit mot peut-être sur OpenStack, Oui. là, OpenStack, le Distributed Compute Node, peut-être un use case plus telco. Bref, on va supporter d'avoir du stockage CEPH, parce qu'on a parlé beaucoup de CEPH et de stockage, en mode distribué. Donc, avoir des clusters autonomes avec un storage persistant directement on the edge. Ah, OK. Excellent. Good. Merci, Martin. Écoutez, j'avais d'autres sorties de prévues à vous mentionner. Je pense que je vais les sauter, Martin, parce que je vois l'heure Ouais, avancer. Je vois les c'est clair. bon, je vois les gens quitter, là. Je sais qu'à 1 heure, tout le monde commence à travailler au proche. En tout cas, du moins, on est vendredi, quoi, qu'il y en a peut-être plusieurs qui sont encore juste après-midi. C'est pas le cas pour nous, malheureusement. Mais bon. Écoutez, ce que je vais faire, je vais aller tout de suite au sujet principal. On reviendra sur les prochaines sorties qu'on n'a pas eu le temps de couvrir à la prochaine épisode, Martin. Donc j'y vais. Sujet principal aujourd'hui, en fait, je l'ai mentionné au début de l'épisode, c'est Quay, en fait. Donc, je vais vous introduire à Quay, Quay 3.3 sur OpenShift 4.5. On va déployer ensemble, en fait, à l'aide d'opérateurs Quay. Et on va aussi, on a parlé un petit peu de Podman Builder tantôt. On va probablement avoir utilisé Podman, mais aussi un autre outil de la même famille qui est Scopeo pour prendre des containers qui sont dans la communauté et les envoyer dans notre instance de Quay qui roule sur OpenShift. Donc, Quay, juste pour vous dire de où vient le projet Quay. Quay a été démarré par deux ingénieurs chez Google. Le but de ce projet-là à l'époque, c'était de donner une alternative à Docker Hub. Quelque chose peut-être de plus solide, de différent du moins. Et ce projet-là a été acquis par CoreOS. En tout cas, CoreOS m'impressionne toujours, là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour aller prendre ce projet-là, l'acheter à Google, puis en faire un produit quand même maintenant c'est avec une bonne réputation. Parce que dans ma tête, Google aurait dû garder ça puis faire évoluer ça. Mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en arrière. Ce qu'on a fait chez Red Hat, en fait, ça a été acquis par CoreOS et Red Hat a acquis CoreOS, comme vous le savez. Et ce qu'on a fait, nous, avec cette acquisition-là, c'est qu'on l'a rendu open source. Donc, je peux mettre le lien du projet de CoreOS dans le lien. C'est le projet Quay, en fait. Je vais peut-être changer d'écran ici, attendez un instant. Oui. Donc, le focus de Quay, c'est un registre de containers de gamme entreprise, en fait. Il existe une panoplie de projets similaires un petit peu sur Internet. Il existe d'autres technologies qui ne font pas juste des registres de conteneurs, qui font un paquet d'autres bébelles autour de ça. Donc, il faut faire attention. Nous, notre focus avec Quay, c'est vraiment vous offrir un registre de conteneurs entreprise. Quand je dis entreprise, c'est qu'on veut vous offrir quelque chose de stable, disponible, qui vous offre de la haute disponibilité, une certaine évolutivité. Donc, si vous avez à étendre votre container parce qu'il y a de plus en plus de demandes, bien, on vous donne la capacité. Donc, tout ça est inclus dans le produit. Les fonctionnalités clés du produit, je voudrais ce qui ressort beaucoup de Quay. De un, c'est son intégration avec OpenShift. Et, attendez un petit peu. Je ne peux pas changer. Excusez, là, je ne veux pas me tromper de caméra. Je ne vais pas t'enlever, Martin, là, mais je vois que. Ah, ben c'est Bon. parfait. Je vais comprendre. T'es Je encore n'avais là, pas t'es encore là. On rigueur. a changé le Oui. focus et tout. Pas de Oui, problème. donc, fonctionnalité clé intégrée avec OpenShift. Donc, vous allez voir dans ma démo une belle petite fenêtre qui démontre les vulnérabilités qui sont disponibles dans certains containers dans OpenShift. Donc, sans avoir à aller dans quoi, on a cette information-là dans OpenShift. On offre avec Quay la capacité de faire du HA, la géo-réplication, donc bundler directement dans le produit. Il y a une interface graphique qui a été quand même assez bien designée, vous allez voir, pour répondre aux besoins des gens qui développent des containers. Ce qui est vraiment cool aussi, j'ai parlé avec quelques personnes là-dessus, c'est le manifeste des layers. Donc, vous pouvez voir toutes les couches en fait dans les containers de façon visuelle directement dans Quay. Oui, on peut le faire en ligne de commande, mais des fois, c'est le fun d'avoir une interface pour le faire. Et on a été même leverager un petit peu cette capacité-là pour la greffer avec la sécurité. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je parle de sécurité depuis tantôt. On a intégré Quay avec Claire. Donc, Claire est le scanner de vulnérabilité des containers intégrés dans Quay.
Autre capacité super le fun, c'est les time machines qu'on appelle. Donc, ça permet de garder les historiques des tags. Donc, vous savez, quand on travaille avec des containers, on va taguer nos containers, on va les faire évoluer, on va mettre différents tags. Donc, par défaut, Quay va garder l'historique de ces tags-là. Donc, si j'en fais plusieurs dans une journée, puis je veux revenir dans le temps, ben, c'est possible de le faire. Dans le fond, Quay le fait pour vous. Je pense que par défaut, il le fait sur une période de 2 semaines. On peut jouer avec cette période-là. C'est sûr que plus qu'on augmente la période, mais plus que ça prend de l'espace, si on développe, puis on fait plusieurs tags dans une journée sur plusieurs containers, ça peut grossir assez vite. Et finalement, il y a un principe de configurer des accounts, ce qu'on appelle des accounts robots. C'est l'équivalent des services à compte dans OpenShift. Donc, ces comptes-là permettent de déclencher des mécanismes d'automatisation sur les différents containers qui se retrouvent dans Quay. Ou donner accès à des applications à des containers qui se retrouvent dans Quay ou rendre au travers un compte robot accès à en fait ce qui est dans Quay. Donc, c'est les principales fonctionnalités de Quay. Et je vous montre ça à l'écran tout de suite. À quoi ressemble Quay? En fait, ce qu'on va faire, on va faire l'inverse. Je ne l'installerai pas en premier. Je vais plutôt vous montrer à quoi ressemble Quay. Et après ça, on va l'installer. Vous allez voir que pour l'installer, c'est vraiment très simple avec OpenShift. Quelques étapes et on a un Quay d'installer. Donc, à mon écran en ce moment, vous avez Quay qui est installé sur un cluster OpenShift. Je peux vous montrer le cluster OpenShift qui est ici. Donc, on va juste chercher le projet Quay. Donc, j'ai un cluster OpenShift et merci à Martin. C'est le cluster à Martin qu'on utilise pour cette démonstration-là. Donc, si je regarde installé oui. Sur Bare Metal avec OCS en mode compact. Oui, vend pas le punch tout de suite. Tu vas voir, c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, bon, j'ai une couple d'en fait de pods qui roulent. Je vais revenir sur les pods pendant l'installation tantôt, mais juste vous montrer que l'installation roule sur OpenShift en ce moment. Ce que vous voyez à l'écran lorsqu'on se connecte dans Quay la première fois, c'est mes containers qui sont disponibles. Donc, j'en ai quelques-uns, j'en ai mis quelques-uns. En fait, j'ai monté ce Quay-là hier. Pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, vous avez des containers de UB8, on a CentOS 7 Ansible, et ainsi de suite. J'ai même mis un Debian pour vous montrer. Ce que vous voyez rapidement, on voit les containers qui sont publics et ceux qui sont privés, avec le petit cadenas. Donc, on a un visuel tout de suite en partant. Donc, je peux voir que UB8 est ouvert à tout le monde, mais pour les autres, ça me prend des droits d'accès pour accéder à ces containers-là. Donc, on est capable de sécuriser les containers aussi. Donc, si je vous montre CentOS 7 Ansible, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur lorsqu'on clique sur un container? Première des choses, on tourne on voit l'activité. Est-ce qu'il y a de l'activité sur ce container-là? Donc, ça peut être le fun de voir si j'ai des containers qui sont vieux, qui ne sont pas actifs. On pourrait tout simplement les supprimer. Donc, je peux voir, dès que je clique dessus, s'il y a de l'activité ou non sur les containers. Je peux voir comment faire pour aller chercher le container. Donc, on a la commande Docker. Et je devine... Là, vous allez voir le mot Docker un peu partout dans Quay. On est encore très proche de Docker avec Quay. Quay a été utilisé beaucoup par la communauté Docker, mais vous allez voir dans les prochaines releases, on va prendre une tournure plus Podman aussi. Là, on va voir des exemples avec Podman. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de commandes Docker. Et tiens, je vous montre. On va aller chercher ce container-là directement. Et je pense que je ne pourrais pas, non, parce qu'il est privé, mais on peut l'essayer. Je vais juste vous montrer ici en ligne de commande qu'est-ce que ça fait. En fait, je vais lancer la commande telle quelle. J'étais avec Fedora 32 sur mon laptop. Si je lance Docker Pull, ce qui est écrit là, des bonnes chances que ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. Oui, je t'authentifie. Donc, ça a fonctionné. Donc, je suis capable d'aller chercher le container qui est là. Regardez Docker, ce que ça fait. En fait, c'est Podman qui roule en arrière. Là. Fait qu'il y a comme... l'émulation Docker ici, mais c'est exactement les mêmes commandes. Donc, je suis allé chercher le container. Donc, si je regarde ici, je peux voir qu'est-ce qui se passe avec mon container en ce moment. Je peux voir qu'il y a eu un push et il vient d'avoir un pull qui vient de se faire. Donc, je peux voir toutes les activités, les différentes activités qui ont affecté mon container, en fait, dans Quay. Je peux voir les tags ici. Je peux voir qu'il y a un tag latest, donc il y a juste un tag de disponible pour ce container-là. Et regardez ici, avec ce que Claire nous donne comme information, c'est que ce container-là a des vulnérabilités, en fait. Donc, je vois la liste des vulnérabilités ici, quel pactage qui est impacté dans Quay. J'ai d'autres informations, mais je vous reviens avec ça dans quelques instants. Donc,
comme je peux voir les vulnérabilités, ben je peux voir aussi qu'est-ce qui est inclus dans le container de Quay. Donc, je vois tous les paquetages ici. Puis encore une fois, on a de l'information de clair au travers de ça, mais je peux voir vraiment la liste complète. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, ce que certains développeurs m'ont dit trouver super le fun avec Quay, c'est le manifeste des layers qu'on voit ici. Donc, de façon visuelle, je vois comment le container a été construit avec ces layers. Donc, on voit que le mainteneur, c'est même a une couche à lui dans le container. Donc, on voit son nom. Et vous voyez vraiment toutes les couches, tous les layers ici. Puis, si je reviens en fait dans mon scanner de sécurité, mais ce qui est le fun, c'est que Quay est capable de faire un match avec certaines sécurités qui ont été introduites dans certains layers. Donc, on peut voir ici à votre droite quel layer a introduit en fait le problème de sécurité. Donc, très cool pour ça. Vous voyez, c'est assez facile de naviguer dans l'interface de Quay. Donc, ça a été bien pensé pour ça. Ce que je veux vous montrer, l'historique des tags, là, j'en ai pas sur celui-là. J'allais vous montrer un autre que j'en ai, UB8 ici. Donc, j'ai des tags, juste vous montrer qu'il y a un historique qui est conservé. Comme c'est une copie, on ne peut pas faire un revert, mais si j'avais modifié quelque chose dans mon container, on aurait pu faire revenir en arrière, donc un rollback. Possible de faire un rollback aussi. Dans Settings, ce qui est intéressant, c'est là que je peux définir qui a accès à télécharger ou faire des opérations sur le container. Pour l'instant, c'est l'usager Quay qui est un super utilisateur. Vous avez vu User et Robot Permission, j'ai parlé de robot tout à l'heure, donc on peut définir des comptes de service aussi ici. Ce qui est cool ici, autre opération, autre fonctionnalité intéressante, je n'ai pas nommé de Quay, on peut aller créer des événements. Des notifications en fait sur des événements. Donc, par exemple, je pourrais dire s'il y a une vulnérabilité qui est découverte par Claire, parce que Claire scanne de façon périodique avec une sévérité de critique, eh bien, je veux être notifié. Donc, il y a des webhooks qui ont été déjà préconfigurés. Donc, je peux envoyer ça dans une salle de Slack, par exemple, pour être notifié que wow, Claire a détecté une vulnérabilité sur un de mes containers qui est quand même assez utilisé dans l'entreprise. Donc, il y a ces paramètres-là qui sont le fun. Je peux mettre le repo actuellement, UB8 est en public, je pourrais le convertir en privé et finalement, je peux le déliter. Donc, c'est principalement ce qu'on peut faire avec Quay. Donc, si je reviens au niveau des repos. Alors, ce qu'on va faire, prochaine étape, dernière partie de ma démonstration, il reste un petit 5-6 minutes, c'est pas très long. C'est vraiment d'installer Quay sur OpenShift. Alors, comment on va faire? Donc, on va faire ça ensemble. On va aller dans OpenShift. Martin, toujours avec nous? Oui, ben là, tu ne vas pas me dire que ça s'installe avec un opérateur. Et oui, on Ah! installe ça avec un opérateur, ce qui fait que c'est très facile à installer. En fait, il y a plus qu'un opérateur pour Quay, mais je vais revenir sur ça dans quelques instants. Donc, première étape, si je veux installer Quay dans OpenShift, il faut créer un projet comme tout ce qu'on fait dans OpenShift. On ne veut pas mettre ça n'importe où. Donc, on va se créer un projet. J'ai déjà un projet qui s'appelle Quay, fait que je vais créer un nouveau projet qui va s'appeler Quay 2, tout simplement, pour lequel je vais installer une nouvelle instance de Quay à l'intérieur. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pour installer Quay avec l'opérateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher des images sur Quay.io. Qui est un registre, le registre principal, du moins du côté Red Hat. C'est un registre pour lequel vous devez, pour avoir accès aux images de Quay, ça nous prend des credentials pour y accéder, c'est pas public. OK? Alors, ce que moi j'ai fait, si vous voyez mon écran, je vais aller dans. J'étais déjà dedans, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vais vous montrer. En fait, je vais appliquer un secret. Donc, je vais créer un nouveau secret dans mon projet. Okay, je vous montre le secret que je vais créer. C'est un Red Hat Pool Secret qui va permettre en fait à l'opérateur de Quay de s'authentifier à Quay.io pour aller chercher les images tout simplement. Okay. Ce pool secret-là, ce n'est pas un pool secret que vous devez générer, vous allez chercher dans votre compte chez Red Hat. C'est un pool secret qui est générique pour l'instant. Okay. Tous ceux qui sont clients Red Hat peuvent télécharger ce secret-là. On transige tranquillement pas vite Quay.io dans notre portail et éventuellement vous allez devoir télécharger votre propre pool secret. Mais pour l'instant, il est généré. Je l'ai mis en passant sur mon GitHub. Si vous voulez éviter de le chercher, là, en fait, on va utiliser deux fichiers YAML pour faire l'installation. Mon GitHub. Il faut que je ressorte ça ici.
pas très long, je vais m'authentifier. Donc, pour votre information, vous irez le chercher si vous voulez. J'ai un repo qui s'appelle Koué. Donc, je vous mets ça dans le chat ici. Vous allez pouvoir aller chercher le pool secret et l'autre YAML qu'on va avoir besoin, qui va être de déclencher l'opérateur, dans le fond, pour faire l'installation. Je reviens sur ça dans quelques instants. Donc, première étape, j'ai besoin de ce pool secret-là. Donc, pour le mettre, je fais un OC apply Red Hat pool secret. Mon fichier YAML. OK. Alors, ce que ça fait, pour ceux qui connaissent un peu moins OpenShift, dans mon projet, si je m'en viens dans Workload ici, j'ai une section qui s'appelle Secret. Ça l'a rajouté un secret. Oups, j'étais pas dans le bon projet. Martin, j'étais. Non, je sais, effectivement, je pouvais pas. Il faut que je me log avant. j'ai mis ça dans un autre projet quelconque. Bon, Non, il l'a pas accepté, il m'a mis une erreur. Mon... Ok. Je suis pas logué dans ton cluster. Fait que je sais pas. Donc. Ok, on va se connecter juste ici. Donc, je vais me connecter. Donc, je suis connecté. Je vais aller dans le projet Koué 2. OK. Et là, je vais réappliquer mon pool secret qui est là. Donc, là, ça a fonctionné. Vous voyez, il vient d'apparaître, en fait, dans OpenShift. Il est juste ici, dans le projet. OK. Donc, c'est la première étape. Deuxième étape, ce que j'ai besoin dans mon projet, il faut que j'installe l'opérateur. L'opérateur n'est pas dans mon projet. Donc, je vais aller dans opérateur, opérateur hub, et je vais taper Koué. Quand je tape Koué, il y a trois opérateurs qui s'affichent. Donc, on a Red Hat Koué qui est vraiment Koué. On a Container Security, en fait, qui va me permettre d'afficher dans ma console OpenShift les vulnérabilités. Vous voyez, déjà installé. Sur le cluster à Martin, on l'a installé. Il s'installe par défaut dans tous les projets. Et finalement, on a le bridge. Le bridge, c'est un petit peu tricky. Quand on travaille avec OpenShift, il y a déjà un registre d'inclus dans OpenShift. Donc, on appelle le registre interne. Ce registre interne-là, c'est un mini-Koué, en fait, qui est là avec moins de capacité, tout simplement. Le Koué Bridge opérateur vous permet de remplacer, en fait, le registre interne qui est là et utiliser uniquement un Koué. Pour aujourd'hui, on manque de temps un petit peu, puis je dois vous avouer que j'ai encore un petit défi avec les certificats avec le bridge. C'est toujours pas réglé, Martin, mon problème avec ça, mais il faut que je travaille là-dessus. On va faire juste l'installation de Red Hat Koué, dans une prochaine épisode, je ferai la suite, Martin. Ça va être une bonne raison de revisiter Koué. Donc, je vais installer Koué, et ça l'installe dans mon projet, là. Ça l'installe pas dans tous les projets, bien sûr. Donc, si je reviens dans mon projet, je vais voir les opérateurs qui sont en train d'installer. Je vais aller voir au niveau des pods. Vous allez voir qu'actuellement, il y a juste un pod. Le pod, l'opérateur est maintenant opérationnel. Il est à 1. Donc, j'ai mis ma clé, mon pool secret. J'ai installé l'opérateur. Donc, deux petites opérations assez simples. J'ai créé mon projet en premier. On est à 3 opérations. OK. Maintenant, pour installer Koué, là, il n'est pas installé. C'est l'opérateur qui est là. L'opérateur attend nos instructions. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet opérateur-là? On veut installer quoi? On va lui dire. Pour installer Koué, on peut installer Koué sur du... ça nous prend du stockage. Okay? Ça nous prend du stockage, comme n'importe quoi. Dans le cas de Koué, la recommandation, c'est d'aller avec du stockage objet. Pourquoi? Parce que généralement, quand on déploie Koué, on ne fera pas juste un déploiement de Koué. On va vouloir, si jamais notre Koué est arrêté, il n'y a plus personne qui va pouvoir aller chercher des images. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre Koué en haute disponibilité. Donc, on va vouloir installer plusieurs instances de Koué au cas où il y en a une qui tombe en panne. Donc c'est pour ça que ça requiert du stockage un petit peu particulier. On recommande du stockage objet. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui a accès facile à du stockage objet. Martin, je suis pris. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour mettre du stockage objet? Est-ce qu'on n'en aurait pas dans ton environnement? Fait que là, t'es en bare metal, t'es dans ton environnement, ton infrastructure, t'as besoin de stockage objet. Fait que là, tu te demandes, je m'achète-tu un gros SAN là, qui dise qu'il supporte stockage objet? Est-ce que je m'en vais chez AWS ou autre? Moi, j'aimerais ça garder mes données locales. C'est ça ta question? Oui, c'est ça ma question. Écoute, t'installes OCS. T'installes OCS, la plateforme de stockage intégrée OpenShift. On n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps de faire ça. Puis tu utilises Nuba.
Une Ouba va te fournir le fameux endpoint S3 que tu as besoin. Et au-delà de ça, il va optimiser les objets, il va compresser les objets. Et même si tu veux vraiment avoir de la haute disponibilité, tu vas pouvoir prendre ton bucket et faire une réplication de ce bucket-là dans des clouds publics. Donc, j'espère que c'est ce que tu as fait, tu as utilisé Nuba. Ben écoute, non, on va le faire ça ensemble, tabarnouche, on va le faire ça ensemble. Effectivement, on a OCS de configurer, donc on va en profiter. Alors oui, on a accès à du stockage objet avec OpenShift. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, voilà deux épisodes, on a installé OCS ensemble. Installer OCS, Martin, c'est hyper rapide, c'est quelques clics et on a et c'est opérationnel. C'est ça la beauté d'OCS aussi. Donc, OCS est déjà configuré. Donc, au niveau de mon onglet storage, excusez, j'ai un item qui s'appelle Object Bucket Claim. Donc, on va se faire un nouveau claim ici qu'on va appeler CROE2. En fait, on va aller choisir le stockage, la classe qui est disponible, il y en a juste une, la classe objet qui est Nuba. C'est Nuba qui est en charge du stockage objet avec OCS. Et il y a déjà une classe de bucket qui est disponible. On n'aura pas besoin de changer ça. On prend celle qui est disponible. Donc, je vais faire tout simplement créer ici. Ce que ça fait, OpenShift fait une requête à Nuba pour demander un nouveau bucket que je vais utiliser pour installer CROE, tout simplement. Et si je rafraîchis la page ici, vous allez voir, OpenShift va me donner maintenant tous les accès que j'ai besoin pour me connecter, en fait, à ce nouveau claim-là qu'on a fait. C'est ça qui est intéressant. Dans le fond, même si c'est Nuba en arrière qui travaille le stockage, là, même si c'est un outil externe, l'intégration est tellement bien faite entre OpenShift et Nuba que finalement, on n'a même pas besoin d'accéder à cette console-là réellement. Regardez, là, on a tout de suite notre endpoint, notre bucket, nos access keys, secret keys. La console OpenShift nous le retourne immédiatement. Donc, c'est prêt à l'usage. Non, exact. Puis écoutez, c'est une façon d'avoir accès rapidement du stockage objet parce que c'est sans ça, c'est plus difficile. Ça, comme Martin a mentionné, ça prend peut-être des appliances qui l'offrent. Peut-être que c'est pas configuré le stockage objet. Peut-être que c'est plus compliqué que ça à mettre en place. Dans le cas d'OCS, c'est vraiment quelques clics. Là, c'est ça la beauté. Donc, ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de configurer, de dire à l'opérateur que j'ai mis en place dans le projet, de déclencher l'installation. Et je dois configurer un petit fichier YAML. En fait, le fichier YAML, on peut le personnaliser si on veut faire un paquet d'options qu'on peut mettre dans ça. Moi, je vais me limiter au strict minimum pour faire l'installation. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est le namespace. Vous voyez à l'écran le fichier YAML. Ce fichier YAML-là se retrouve sur mon GitHub que je vous ai copié tout à l'heure. Donc, j'ai besoin d'un namespace. Il faut être sûr que ça concorde. Dans mon cas, c'est CROE2. C'est déjà tout en place. Le pull secret, c'est le pull secret que j'ai poussé tout à l'heure. On en a besoin à deux endroits dans le fichier. Le hostname que je vais associer au CROE, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il faut que ça fit avec votre nom de domaine sur OpenShift, bien sûr. Moi, c'est apps.openshift.rhcsalab.com. Et finalement, c'est ici, je vous dirais, qui est le plus long à faire, c'est de configurer notre back-end. Moi, je l'ai appelé Nuba. Et c'est de type RHOCS. Avec CROE, on peut mettre un paquet de types. Vous pouvez mettre Azure, vous pouvez mettre Amazon, vous pouvez même mettre local. Local pour recommander, mais pour des tests, ça peut faire l'affaire. Dans ce cas-ci, moi, je prends un Red Hat OpenShift Container Storage. J'ai la misère avec ça. Le hostname, c'est le hostname pour accéder à Nuba. Je vais vous montrer où aller le chercher tantôt. C'est la seule chose qui n'est pas affichée dans OpenShift. Il faut aller le chercher dans Nuba. Mais sinon, le reste, c'est les clés d'accès, tout ça. Oui, tu disais qu'il était affiché. En fait, il est disponible. Ah, il est dans la route. Okay. Oui, dans la route. En fait, juste expliquer un peu, là, si je peux prendre une minute, là, ce qui était affiché tantôt comme endpoint dans le Object Bucket Claim, okay, c'était le endpoint interne à OpenShift. Okay? Donc, une application qu'on développe peut utiliser cet endpoint-là, okay, que vous voyez, en tout cas. Je suis un petit peu décalé avec la vue qu'on a, mais peu importe. Donc, on pourrait prendre ça. Le problème avec ça, c'est que le certificat, ça va être un self-signed certificate. Fait que normalement, les applications vont avoir de la misère avec ça. Tandis que si on prend l'autre, qui est la route qu'on est capable de retrouver dans le namespace OpenShift-storage, okay, on a la route du S3. Et cette route-là,
Dans le fond, il fait partie de notre Ingress Router qui, lui, a un certificat valide. Fait que c'est pour ça qu'on passe par cette route-là. Ouais, bon point, Martin. Merci de l'explication. J'avais pas... J'aurais pas pu donner cette explication-là. Mais c'est bien. Effectivement, la route, on la retrouve. Je vais juste vous montrer, là, ceux qui suivent à l'écran. On a la route ici. Faut aller dans OpenShift Storage pour aller chercher. Effectivement, là, c'est pas dans quoi. Donc, OpenShift Storage. Oui, parce que c'est le namespace. C'est ça. Parce que Nuba est installé dans le namespace OpenShift Storage. Donc, ici. Son service et sa route sont dans ce namespace. Donc, on le voit. Je l'ai à l'écran, Martin. Merci de la précision. Voilà. Fait que finalement, on n'a pas besoin du tout d'aller dans Nuba. Moi, j'allais dans Nuba chercher l'adresse, mais finalement, j'ai plus besoin d'y aller. OK. Donc, si je reviens dans Akwe 2, on va aller au niveau des pods pour vous montrer en temps réel ce qui se passe. Et si je ne me suis pas trompé dans ma config, je vais juste refaire un petit tour rapidement. Donc, j'ai un nom, j'ai son namespace, j'ai le pull secret, j'ai un hostname qui concorde. Faites attention si ça ne concorde pas, là, des fois, ça fait des drôles d'erreurs. Et j'ai mon hostname le stockage S3. J'ai la clé d'accès, j'ai le secret key et j'ai le bucket name ici qui a été généré automatiquement. Donc, tout semble beau. Alors, je vais appliquer et on va voir en temps réel ce qui se passe dans l'écran. OC. Play. Donc, Martin, surveille ça de ton bord. Si là, ton, ben, si ton... Je surveille ça un peu en décalé là, parce que je vois. Mais si ton cluster tombe en panne, c'est à cause de moi. Ah, je suis pas. Donc, on voit tranquillement, pas vite, les pods démarrer. Tu voulais dire quelque chose, Martin? Ben, je voulais dire qu'en théorie, là, l'installation devrait être plate. Comme n'importe quelle installation qu'on fait dans OpenShift, c'est toujours plate. Toujours plate, il y a trop rien à faire, il faut juste attendre. Effectivement, les opérateurs attendre. S'occupent de tout. C'est ça, il y a une couple de containers qui vont démarrer. Comme c'est là, c'est Redis. Redis est quand même un des plus longs là, dans l'installation. Après ça, on va avoir 3-4 qui vont se rajouter. Il va finir par l'opérateur Kwe. Tant qu'on n'est pas rendu à l'opérateur Kwe, malheureusement, je ne peux pas rien vous montrer. Il y en a pour quelques minutes. Mais bref, je voulais vous montrer aujourd'hui comment faire pour l'installer. Une fois que les containers sont up, il nous reste à aller chercher la route. Je vais voir si la route a été créée. Elle n'a pas été créée encore parce qu'il n'est pas terminé, mais dans la portion réseau route, dans le fond, la route, on la sait, on l'a configurée dans l'YAML. Okay? Donc, il suffit de pointer là-dessus et ce que ça fait, ben, vous tombez sur la belle page que je vous ai montrée tantôt, la page qui est juste ici. Donc, vous avez votre Kwe. Il va être vide, il va y avoir aucun container à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, ben, il faut aller dans chercher et aller dans pousser, en fait. Alors, pour faire, je vous montre la commande et je vais terminer avec ça, Martin, parce que je vois là, qu'il y a une heure et demie. Pour ce faire, pour aller dans porter, première des choses, il faut se loguer dans notre instance. Donc, on va y aller avec Scopeo Login. OK. Et on va se connecter à notre instance de Kwe pour ça. Tout simplement. Donc, ici. On va se connecter. Je suis déjà connecté probablement, qui va me dire que je suis déjà logué. Ce que ça aurait fait dans votre cas, ça vous aurait demandé le nom d'usager mot de passe. Le nom d'usager mot de passe par défaut dans Kwe, c'est très sécur, c'est Kwe et le mot de passe, c'est password. Vous pouvez le changer dans les paramètres de Kwe facilement ou vous pouvez brancher Kwe à Red Hat SSO si vous voulez. C'est tout à fait possible, mais bref, ce serait bon de le changer. Dans mon cas, je suis déjà logué. Et tout ce qui me reste à faire avec la commande Scopeo, c'est de transférer une couple de containers à l'intérieur. Donc, Scopeo. Ici, alors, si je veux envoyer, par exemple, ce container-là, donc je copie la commande qui est ici, c'est Scopeo copy. Je vais chercher sur Docker Hub et je vais l'apporter dans mon registre de Kwe, tout simplement. Et là, ce qu'il va me dire, c'est qu'il existe déjà. Ah non, je n'avais pas copié celui-là. Fait qu'il est en train tout simplement de le transférer. Une fois qu'il va avoir terminé de transférer, ce que vous allez voir apparaître, si je m'en viens dans CentOS 7, je vais faire un refresh, il a dû créer... Non, il n'est pas fait encore. Dès qu'il va avoir terminé, on va le voir apparaître. Donc, on fait beaucoup de choses en même temps. Je vais aller voir voyez-vous ici, Kwe est complété. Son installation semble avoir été complétée sur OpenShift. On va juste aller voir. Oui, j'ai plein de containers qui roulent tout à un. Tout est beau. Fait que Martin, je ne me suis pas trompé dans ma config. Ah. Et voilà. C'est une bonne nouvelle. Comme j'ai dit tantôt, c'était plate, comme j'allais le dire. Oh, ouais. Si je clique ici, vous allez voir, là, je tombe dans ma nouvelle instance de Kwe, Password, et j'ai mon
Régis qui. Ah, ben voyez-vous. Il est en train de, finalement, j'étais en train de copier dans mon nouveau. Je suis vraiment allé trouver. Je viens de voir le Quai 2. Ben oui. Fait que j'ai CentOS qui est ici. C'est encore mieux. Ben oui, pour montrer que ça marche. Et ce que si je clique dessus, ce que vous allez voir au niveau des tags, il a été mis dans une queue. Claire va le scanner. Pour voir si c'est des premières sécurités ou pas. Fait que c'est simple. Quand même assez simple. Ouais. Peut-être un petit mot sur l'importance de ça. Pourquoi qu'on met Quai? Pourquoi Claire? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Docker Hub. C'est excellent, c'est merveilleux. Il y a plein de ressources là-dessus. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'aller très vite. On est porté souvent à faire rapidement, juste pour avancer, on essaye Docker Pull, puis on part l'image. Et je pense que rares sont les gens là, qui prennent le temps vraiment d'analyser le Dockerfile en arrière. Ou même quand on fait un pull, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dans l'image. Donc, on a vu ça a passé dans certaines news. Donc, il y avait même des Bitcoin miners qui avaient été injectés dans des images Docker. Fait que les gens exécutent ça, puis ils se rendent même pas compte qu'en réalité, ils sont en train de perdre du CPU à miner des Bitcoins. Donc, c'est ça. Fait que bref, faut faire attention à ce qu'on trouve sur le net. Puis, Quai vient vraiment nous aider à avoir, absolument. Moi, un des constats, Martin, quand je me suis mis à jouer avec Quai, parce que j'ai été introduit dernièrement à Quai, honnêtement, je n'avais pas eu beaucoup d'occasion de jouer avec Quai, mais parce qu'on a des clients qui l'ont déployé, qui avaient qui accrochaient, je me suis lancé dans Quai, j'ai fait l'installation. Ce qui m'a frappé, tu viens de le mentionner, là, quand je commençais à copier des containers de Docker Hub vers mon Quai et que je voyais clair vraiment m'annoncer un paquet de vulnérabilités. J'en ai pas beaucoup vu de containers qui n'avaient pas de vulnérabilité. Fait que faites attention à ça. Mais c'est vraiment cool pour ça, Quai. Tout à fait. Donc super. Fait que merci Martin. Merci tout le monde. Je vois qu'il y a encore quelques personnes avec nous. Merci d'avoir resté. On a étendu un petit peu. Mais écoute, on se redit à tout le monde dans 3 semaines. Si tout va bien, Martin, on croise les doigts. Si on n'est pas bombardé, on continue. On se reprend dans 3 semaines. C'est certain. Merci tout le monde. Okay. Bon week-end. Merci beaucoup. Bye. Bye. Bon week-end.